à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'Hebdo Select, la sélection des jeux vidéo et des sorties à découvrir cette semaine. Atelier Ryza 3 est le dernier volet de la populaire série Atelier Ryza qui suit les aventures de Ryza alors qu'elle se lance dans un nouveau voyage rempli d'alchimie, d'exploration et d'amitié. Les joueurs peuvent s'attendre à des graphismes époustouflants, un gameplay engageant et un scénario immersif qui les gardera accrochés. Cette suite, Ryza devra relever de nouveaux défis, rencontrer de nouveaux personnages et explorer un vaste monde en regorgeant de mystères. Les fans de la série peuvent s'attendre à des mécanismes d'alchimie mis à jour, à des combats améliorés et au retour de personnages bien aimés. Ne manquez pas Atelier Ryza 3, destiné à captiver à la fois de nouveaux venus, fans de longue date de la série, restez à l'écoute pour plus de mises à jour et préparez-vous à une expérience de jeu inoubliable. Pacha, un personnage du célèbre jeu vidéo sur le thème des Incas, trouve ses origines au début des années 2000. Les développeurs du jeu se sont inspirés de la mythologie, de l'art et de l'architecture Inca pour créer un monde captivant à explorer pour les joueurs. Protagoniste du jeu, Pacha est un jeune guerrier aventureux et ingénieux. La conception de Pacha a été fortement influencée par les vêtements et les artefacts traditionnels Inca, créant un personnage unique et mémorable avec de lequel les joueurs peuvent se connecter. Le voyage de Pacha les amène à travers différents niveaux, chacun inspiré par différents aspects de la culture Inca. Les joueurs doivent résoudre des énigmes, combattre des ennemis et découvrir les secrets cachés pour progresser dans le jeu. Les visuels riches et la bande-son sont immersifs du jeu, contribuent à son intrigue durable. Out of Pacha est devenu un personnage bien aimé parmi les joueurs, citant son gameplay engageant et à sa valeur éducative comme raison de son succès. En conclusion, les racines de Pacha dans la culture et l'histoire Inca en ont fait un personnage remarquable. And the Night est un jeu d'action-aventure développé par Moonlight Games et édité par Dengan Entertainment. Dans un monde sombre et gothique, les joueurs assument le rôle d'un chasseur, chercher de vaincre les créatures cauchemardesques. Inspiré de titres comme Bloodborne et de Legend of Zelda, And the Night offre un mélange unique de combats rapides, d'exploration et de résolution d'énigmes. Les joueurs utilisent à la fois des armes à distance et de mêlée, ainsi qu'une puissance ressource appelée The Stand, pour vaincre leurs ennemis. Le style artistique du jeu est un mélange activement de pixel art et d'illustration dessinée à la main, créant une atmosphère immersive qui attire les joueurs dans son univers tordu. La bande son obsédante composée par Hiroki Kukuta améliore encore l'ambiance et transe du jeu. The Night propose un récit riche, rempli de personnages complexes, chacun avec ses propres motivations et histoires personnelles. Au fur et à mesure que les joueurs progressent, ils découvriront les secrets du monde et la véritable nature des ténèbres qui les menacent. Le jeu a été salué par son gameplay stimulant, sa conception de niveaux complexes et son histoire captivante. Les fans de jeux d'action-aventure et de monde de Dark Fantasy devraient certainement garder un œil sur Hunt the Night. Moonark est un jeu de plateforme cinématographique 2D développé par le studio indépendant Canary Games. Sorti en 2022, le jeu rend hommage à des titres classiques comme Flashback et Prince of Persia. Situé dans un monde dystopique, Moonark suit l'histoire de Noah, un jeune héros rebelle en mission pour sauver la dernière colonie de la Terre. Les joueurs naviguent dans un environnement pixel art riche, rempli d'énigmes stimulantes, d'actions intenses et de narrations captivantes. Commander les animations fluides du jeu crée une expérience fluide, tandis que les graphismes d'inspiré rétro évoquent la nostalgie. Moonark a reçu des éloges pour son récit captivant, son gameplay serré et ses visuels époustouflants. C'est un jeu incontournable pour les fans de plateformes classiques et ceux qui recherchent une nouvelle touche et moderne au genre. Trinity Trigger est un jeu d'aventure de science-fiction pour une action se déroulant dans un univers futuriste. Les joueurs assument les rôles de trois personnages uniques, chacun avec ses propres capacités et compétences, alors qu'ils naviguent à travers une variété de niveaux difficiles. L'histoire du jeu tourne autour du titulaire Trinity Trigger, un mystérieux artefact qui détient la clé pour sauver l'univers d'une catastrophe imminente. Les joueurs doivent travailler ensemble en utilisant les forces et les faiblesses de chaque personnage pour surmonter les obstacles et vaincre les ennemis dans leur quête pour découvrir la vérité derrière le Trinity Trigger. Avec ses graphismes époustouflants, son gameplay engageant et son scénario immersif, Trinity Trigger a captivé les joueurs du monde entier. Le jeu propose un mélange de combat rapide, de résolution d'énigmes et d'exploration garantissant que les joueurs restent engagés et divertis tout au long de leur voyage. Trinity Tiger est une expérience de jeu passionnante qui combine un récit captivant avec un gameplay dynamique. Son univers captivant, ses personnages inoubliables et ses niveaux stimulants en font un jeu incontournable pour tout joueur à la recherche d'une nouvelle aventure.
Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de vous mettre un petit commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne Twitch. Nous avons des flux en direct, des chats interactifs et des tonnes d'actions en jeu. Ne manquez pas, vous savez tous les liens dans la description. Alors n'hésitez pas et surtout amusez-vous.